Salutations Moussaillons, c'est Monkey Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Minecraft. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo dessus, mais voilà, j'ai pas le droit de faire de vidéo sur le serveur pour éviter de spoiler. Enfin, je peux pas faire n'importe quelle vidéo sur le serveur parce que voilà, c'est le but du serveur, c'est de découvrir par soi-même les îles, tout ce qui est quête et tout. Donc je peux pas spoiler en fait l'emplacement des îles, les quêtes, enfin tout ce qui est méta du jeu, je ne peux pas spoiler. Donc je peux pas faire n'importe quelle vidéo sur le serveur. Mais voilà, je peux faire des vidéos sur les events, les batailles de territoire. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une bataille de territoire, les Felyn Claws contre les Karazu. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Felyn Claws, c'est mon équipage, c'est l'équipage des félins en fait, qui est composé principalement de minx félins. Et du coup, eh ben aujourd'hui, on se bat parce qu'on a concédé un territoire. Voilà, pour résumer la chose, on a concédé un territoire il y a 2 semaines, voire trois, je sais plus, 3 semaines. Et du coup, bah, ça fait 3 semaines qu'on a un territoire et personne ne pouvait le concéder. Donc ça fait, pour l'instant, on l'avait toujours. Et là, les Karazu, un autre équipage pirate, a concédé, parce qu'au bout de 2 semaines, tu peux reconcéder un territoire. Les Karazu ont concédé notre territoire et du coup, bah, pour savoir celui qui va le reprendre ou celui qui va le garder, ça part sur une bataille de territoire, sur une bataille qui va se passer sur le territoire. L'équipage qui a le territoire qui défend et l'équipage qui concède qui attaque. Et du coup, aujourd'hui, bataille de territoire contre les Karazu. Je vous en dis pas plus, voilà, je vous laisse voir le combat, je vous dis pas qui a gagné parce que je connais la réponse du coup, mais je vous dis pas qui a gagné, qui a perdu, vous verrez par vous-même et bah, du coup bon visionnage à vous. PS avec Les Félines, vous êtes ready. Bah, en vrai j'ai envie, j'ai envie. Comment ils m'expliquent? J'ai à peine d'arriver en fait. J'ai envie de dire Attends, non, mais mais... ils ont pu parler si dans le local. Si tu viens à peine d'arriver, t'as Non, dans le global. Dans le global, dans le global. Ça veut dire qu'il a un Denden mouché, pas qu'il est à côté d'un truc fait exprès pour. Vas-y, ben, on dit qu'on est ready, même si on n'est pas au complet, mais bon. On fera Mais toi, t'es plus gilet, hein. En vrai. Attends, venez. Il m'a enlevé 3 cœurs parce qu'il est pugiliste. Venez tous près du camp, on va prendre un screen avant la bataille. Mais la bataille, je crois qu'elle a déjà commencé. Ouais, non, mais. Je suis sur l'arbre, je suis obligé de descendre. Non, t'inquiète. Putain, je suis obligé de manger. Je suis obligé de manger, il m'a enlevé trop de vie. Bah, vas-y, mange, c'est pas grave. Je vais t'en donner au pire. Oh, vas-y, je vais C'est bon. Toi, ça a été mis en jeu. Ouais, ça commence en fait. Voilà, déjà. C'est bon, ça commence. Ils sont derrière les arbres, ils vont nous mitrailler. Je vais dans mon arbre. Attends, restez groupés quand même. Ouais. Oh, y a la musique de One Piece et tout. C'est en plus la meilleure. Et oh, le copyright là, le copyright. Ah putain, c'est vrai que tu filmes. Je vous dis si jamais je vois un mec quelque part. En plus. Mais je pense qu'ils vont arriver de Veil de là-bas là. Aussi bien on va gagner parce qu'ils vont se faire des boîtes par les navigators. Ah mais je les vois. Ah ouais ils moi sont, aussi. Ils sont où? Moi ils sont aussi, là-bas, là. Ils sont là-bas. Venez. Ils viennent de Veil? Non, ils veulent à droite, venez suivez-moi. On arrive. Restez groupés. Ah ouais ils sont là-bas. Si on monte sur la colline, on peut leur tirer dessus. Ils arrivent. Les gars, faut faire gaffe qu'il n'y en ait pas qui nous contournent et qui viennent par derrière. Voilà pourquoi les flèches sont utiles. Ouais, je regarde, ouais. Ah putain, ils sont là-bas. Faites gaffe, on va pas vous toucher entre vous. On se fait mitrailler, là. Là-bas, sur la montagne à côté, ça avance. Ouais, il y en a un qui rush. La montagne à côté? Oui, la montagne à notre gauche, là. Non. Quel enfer, putain. J'en ai le chien. Bien joué. Oh GG. Les supralons, ça m'a frôlé. Ils avancent hein, quand même, mine de rien. J'en ai touché un autre, il doit être Milo. Encore. Il prend cher là. Merde oh, putain, tu m'as touché. Tony. C'est pas grave. Moi pour l'instant, je sers à rien. Aïe, arrête. Me tire pas dessus. Oh putain, j'ai pris une flèche en sautant. La légende au secours. Ah j'en ai touché un. Bon après moi je fais pas beaucoup oh, de dégâts. Tu t'en as pris deux là.
Ouais, moi je m'en suis pris deux. Constructeur de ponts. Mais putain, on s'en bat les couilles. Qui construit des ponts? Putain, mais... Mais par contre, je le calme, la vue là derrière son arbre. Et essayez de vous heal dès que vous... J'aurais bien aimé vous aider là. Ouais, il est vous, il est vous, il est vous. Putain, j'ai plus de 43 balles déjà. Bien joué. Mais 43 balles après. Ils sont peut-être low, hein. Il y en a beaucoup qui se cachent, ils sont peut-être en train de se régénérer. Ouais, touche un. Bah, c'est sûr qu'ils se régénèrent. Hein. Putain, j'ai touché. Non, c'est parce que oui, je vais toucher. Je le vois, je le vois, je le vois, je lui tire dessus, je lui tire dessus. Une fois que t'es mort, tu peux plus revenir. Ouais. Oh putain, bien joué ça. Putain, mais allez, la musique de One Piece, elle me stresse là, elle me casse les couilles. Oh, j'en ai touché un. Aussi. Oui. Et attendez, je vais regarder s'il y en a pas un ou deux qui nous contournent parce que là. Ouais. Bah justement, c'est ce que je regarde. Ah, il y en a un là derrière, c'est qui? Ah non, c'est moi, c'est moi. Ouais, il y en a un qui contourne par le bateau, il y en a un qui contourne par le bateau là-bas sur l'île à côté. Aïe. Ça essaie de contourner, ouais, ils sont en train d'avancer en fait. Hein. Oh là. Ah ouais? Ah, ouais. Oh, mais s'ils se passent par l'eau, ils sont morts. Attends, restez groupés, vous êtes où là? Ouais, restez groupés, restez groupés, ouais. Restez groupés. Moi pour l'instant, j'ai pas pris trop de balles. Bah y'en a, y'en a un là qui est proche, hein, là y'en a un qui est proche. Quel bordel! Moi j'ai. Ah ouais, ils ont contourné par la gauche. Ouais. Oh, j'en ai touché un. Y'en a un, il prend cher! Mais j'ai sûr qu'ils sont 10, hein, parce que là, moi, il n'y en a pas 10. Hein. Mais les autres, ils sont là devant ça. Ouais, il y en a. Oh, les autres, ils sont tous là-bas. Il y en a d'autres à droite. Il y en a d'autres à droite. Tous là-bas, là, tous là, là. Ah oui, oui, je les vois. Putain. Tous avant. Je vous ai dit, les tirez-leur dessus. Tirez-leur dessus. Les gars, ils sont tous à découvert. Tirez-leur dessus. C'est gratuit. Il y en a, j'ai mis 3 flèches. Il y en a qui est dans l'eau. Les gars, il y en a que j'ai mis. Ok. Les gars, il y en a un, je l'ai mis 3 flèches, il est aux portes de la mort. C'est con. Là, vous pouvez tirer. Hein. Oh, il va de ma gros. Faites gaffe parce qu'il y en a d'autres à gauche. Oh, j'aurais dû acheter. Pas d'autres. Non, mais je vais baiser. Faites gaffe. Moi, j'ai pas faites le temps. Gaffe qu'ils nous contournent pas. Juste. Là où je suis, on a 4 sûrement. Ah putain, bien joué. Y a un mec, il passe. Oh, vas-y, go le rush! Go le rush! Est-ce que je tente d'y aller ou pas? Je peux me permettre. Hein. Mais tu vas mourir. Non, mais solo, tu peux pas. Solo, tu peux pas y aller, mec, c'est impossible. Ok, j'en ai encore touché un. Là-bas, tout seul. Eh, mais c'est un autre. J'en ai encore touché un. J'en ai encore touché un. Il y en a trois que j'ai mis l'eau. Il y a plus personne à l'arbre, les gars. Si, il en reste. Non, ils prennent cher. Putain, j'ai déjà plus beaucoup de balles en vrai. Je vous ai dit qu'il y a tiré. Mais oui, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il fallait prendre plusieurs stacks. Qui c'est qui a besoin de bouffe là? Attendez, s'il vous plaît, calmez-vous. Qui c'est qui a besoin de bouffe? Moi j'ai besoin de balles. Moi j'ai besoin de bouffe et de balles. Tiens. Fais gaffe, mec. Je suis derrière toi. Si jamais t'as des balles, de la bouffe. Une seule balle, perso. Garde les tartines de beurre et tout pour si jamais t'as plus de vie. Les gars, on est bien d'accord qu'on a toute la map, hein. Enfin tout le marais. Ouais. Oui. Mais justement, en vrai, on peut faire un groupe de 2 ou 3. Il y en a qui. Après, ça sert à rien de trop s'éloigner parce que après, on sera désavantagés. Ah, moi, je veux bien venir avec toi. Les aussi bien, ils vont nous défausser. Hein. Non, pour le moment, ça se passe bien. Ouais, ça se passe mieux que les autres fois. Hein. On fait que de jouer à l'arc, mais du coup, ils vont régène. Moi j'arrive à en mettre plein. En fait, je pense que le but de cette phase, c'est de leur enlever de la bouffe. Vu que nous, on est sur notre terrain. T'es où? Il y a un mec dans l'eau. Faut pas oublier qu'on est sur notre terrain. Ouais, il y a un mec qui contourne. Allez, il y a un mec qui va à l'arbre. Aïe.
Il y a plusieurs mecs qui vont là. Ils veulent rush à l'épée, je crois. Ah bon, bah ouais, ouais. Ils arrivent. Non mais s'ils sont que deux, ils ont... Les gars, si jamais ils vont dans l'eau, on les défonce. S'ils sont que deux, ouais. Ils ont aucune chance de toute façon. On peut faire encore. Il y a juste un petit passage hein, sur la terre, je crois. Ouais, mais ça y est. Je crois qu'ils essaient de regarder un endroit pour contourner. Hein. Ouais, bah là moi je suis en train de lui tirer dessus pour pas qu'il puisse trop. C'est trop risqué là en vrai. Je les vois. Il y en a d'autres à l'ouest, sur un autre avant, super loin à l'ouest, il y en a d'autres. À l'ouest? Oui, à l'ouest, j'en ai vu d'autres à l'ouest. Quelqu'un peut me filer. Quelqu'un peut me filer des balles? Tony, je suis là, je suis Tony, tiens. Ouais, c'est pas grave, au moins là on a gagné du temps. En vrai, là ils peuvent les foutre. Moi, faut que je me régène. Viens, je vais pas pouvoir tirer. Ils ont bien vu. Ouais, ils sont tous sur nous là. Bah, en plus là, ils utilisent des deux côtés, il y a aucune perte. Pour rien. Enfin, des balles. Ouais. Ça, c'est cool ça. Là, faut aller. Si quelqu'un a des balles à me passer, je reviens. On les a un peu acculés là, ils sont retournés tout en bas. Vous voulez gagner? Vas-y, je verrai que je vais re-rocker. Ouais, en fait, si tu veux, on est passé derrière eux et ils nous ont vu derrière eux. Et je vois plus rien là, la nuit, ça me saoule. Qui a besoin de balles? Ah ouais, avec la nuit, on voit trop mal. Je suis en train de sauter là. Le pire, c'est quand il va pleuvoir. Tiens, voilà des balles. Normalement, ils sont censés. Normalement, sur les batailles de territoire, ils nous mettent le jour. Bah, j'arrive, me dépêche! Voilà, cette bataille du territoire elle est longue. Ouais, mais en vrai, c'est galère de rush parce qu'avec l'eau, c'est désavantageux de ouf. Putain, est-ce que quelqu'un a un peu de bouffe? Qui c'est qui se fight là? Les gars, on a l'avantage du terrain, hein, faut le garder. Hein. C'est qui meurt? C'est qui meurt de bouffe? Aussi, ils ont davantage. Moi, c'est Yanmar, Tony. Tiens. T'es où? Je suis là en bas. Putain, mais comment ça c'est que c'est la dèche de bouffe? Si vous voulez des pages, j'en ai plein si vous voulez. Hein. Merci. Tiens, suis-moi. Tenez les gars. Viens, toi. Faites gaffe qu'il ne rush pas. J'étais en train de faire la chute. Oh, je lui ai fait des dégâts de chute. Bien joué. Merde. Voilà. On va contourner par un autre endroit. Ouais, c'est fort, ouais. Vous avez bien des balles encore. Vous rushez à l'épée. Justement. Mais on peut pas rusher. En fait, on peut. En fait, faut leur faire peur. Faut leur montrer qu'on est partout, genre. Mais le problème c'est qu'on peut pas rusher parce que il y a l'eau et du coup ça nous désavantage, on est obligé de traverser l'eau. Ah mais justement on est en défense. Si on passe par sous l'eau, il y a moyen, ils nous voient pas. Hein. Ouais mais. Bah, en vrai avec la nuit c'est possible, mais pas tout seul. Tout seul t'en tueras un au maximum et puis après tu te feras voir. Ou alors faudrait back avec un bateau. Ouais. Ou sinon on passe par là, il y a un petit lac qu'on peut vite fait traverser et contourner. J'arrive. Moi j'ai continué à tirer au sniper vu que je suis sniper. Vas-y, venez, suivez-moi. Essayez de leur mettre quelques dégâts sur le chemin. Non mais les gars, ils vont voir que là il n'y a plus personne sur la montagne. On serait que deux, on va se faire éclater. Restez groupés. Ouais. On arrive. Ils tirent dessus. Y'a personne qui reste sur la colline pour. Non, reste là. Faut qu'on reste groupé. Préparez un slash bark au cas où. Hein. Non, là ils ont là. Un double F5. Venez, on fait. Venez, on fait demi-tour. Parce que. Ils sont tous en train de partir. Ouais, ils sont groupés là. On est tous en fait. Ils contournent d'un côté, les gars. On est désavantagés par la hauteur. Mais vous allez où là? Mais en fait, on retourne parce que en fait, je viens de remarquer qu'on est désavantagé le fait qu'on soit trop bas. Du coup, faut qu'on prenne de la hauteur en fait. Ah mais ils ont disparu, ils se sont cassés. Hein. Ah mais ils sont en bateau, ils ont fait tout le tour. Ils ont fait le tour. Ah ils veulent vraiment se battre à l'épée, bon là. Bah... Préparez-vous. Ah, viens, mon enfant. Tirez. J'en ai éteint. Là, sur ça, si on passe derrière eux, c'est incroyable. On a 3 kills gratuits, je pense. Il y a moyen. Mais là, on peut aller vers les tentes et essayer de se battre à l'épée. Hein. Vas-y, go vers les tentes alors. Go vers les tentes. Je suis Tony. Ouais, parce qu'ils sont vraiment là. On va se battre à l'épée ou pas? Ils sont aux tentes? Ouais. Ils sont juste à côté des tentes en fait. Oh, ça bug. Putain, ça bug. C'est à cause de la pluie. Hein. Restez groupés parce que là, ils se séparent. Là. Venez tous aux tentes. On nous a vu. Non mais.
Mais vous êtes où? Ils sont partis. On est tous aux tentes. Mais non, oh, tout le monde n'est pas aux tentes. Oh merde. Mais les gars, venez tous aux tentes. Oh merde. J'arrive. Ah non. Ils ont back ou quoi? Je crois qu'ils sont en train de poursuivre un de nos mates là, il est pas revenu au temps. Mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous êtes plus là? Vous êtes partis où? Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Vous êtes partis où? On va se faire baiser là. Mais pourquoi vous êtes allé seul? Qui allait attaquer Attendez, il y a des champignons, je vais me faire de la bouffe. Ils sont où? Ah ouais, merde. Putain les gars, vous êtes séparés de nous. Putain. Alors pourtant, on avait précisé de rester groupés. Hein. Tony avait précisé de rester groupé. Mais en fait, vu qu'on n'avait pas d'arc, on voulait vraiment tenter un truc. Mais ouais, mais tu peux pas. T'es à 2 contre 10. Mais oui, tu peux pas tenter un truc. On est passé derrière eux et on a qu'un seul qui nous a vu, du coup, ils sont tous retournés contre nous. Ben oui, mais c'était con de vouloir faire ça. Vas-y, ben revenez au temps. Mais en vrai. Si on les a. Si vous avez pris de dégâts ni rien, tant mieux. Ils sont morts. T'as pas vu qu'ils étaient morts là? Ils sont morts? Bah oui, ils sont morts. C'est pour ça là, du coup. Putain, on est trop dans la merde là. Bon, on est 6 maintenant contre 10. L'éclaircie semble arriver, bah, j'espère bien. Non, on est 7, il me semble. Ah oui, du coup, ouais, on est 7. C'est qui? Là, c'est 7. 7 contre 10. C'est qui tire là? Du coup là on peut pas revenir. Ils sont où, en fait? Bah non, vous pouvez pas revenir. Là c'est fini là. Mais ils sont. Toi, tu m'as fait peur. Ils sont revenus aux champignons là. De l'autre côté de la falaise là. Là ils reculent. Là on était sur la colline. Ouais. Ok. Ils regroupent, ils prennent des barques. 7 contre 10. Comment c'est? À quelle heure c'est faisable? Ça peut passer. Ça peut passer si eux ils ont plus de balles. Et là ils sont en barque là. Limite on peut aller en barque et les. Ouais, non, ça va être chaud en fait. Ils se cassent là, c'est quoi? Je sais pas. Trop loin. Ils en ont tué deux, c'est bon. Non, mais. Bah ouais, mais en vrai, attendez, je me dis que peut-être c'est qu'ils ont plus de balles hein, s'ils battent comme ça. Venez, suivez-moi mais tous. Si eux ils ont plus de balles, ça peut peut-être compenser notre perte de coéquipiers. Mais là, ils ont totalement disparu. Ouais, ils ont totalement. Si eux ils ont plus de balles, en fait, on a juste à pas aller à l'épée, on a juste à back H24 et puis voilà. Mais restez. S'il vous plaît, restez groupés et venez, suivez-moi. Vous êtes où là? Ok, on tue. Suivez-moi. Bah, nous là, on est sur la colline. Cléocide, on va rejoindre Cléocide qui est là-bas et on va essayer d'avancer, voir. Et s'ils sont en barque, en vrai, ils seront. Si on arrive à choper quelqu'un en barque. J'ai envie de manger des champignons. Mais genre là. Ils font un gros bac. Ça se trouve, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais. On va se mettre à l'opposé et puis ils viennent nous rusher à l'épée, du coup. Mais si, en fait, on a juste à ne jamais aller à l'épée, à tout faire pour ne pas se retrouver au corps à corps. Et là, on aura gagné techniquement. Bah, parce qu'il y aura un moment où. Il y aura bien un moment. T'es d'accord, Louis, qu'il y aura bien un moment où eux ils auront plus de bouffe. Vous me suivez ou pas? Non mais Louis, si nous on leur tire, on fait que leur tirer dessus et leur enlever de la vie, s'ils ont plus de bouffe, ils pourront plus se régénérer. Oui, mais s'ils n'ont pas d'arc, ils pourront pas mettre de dégâts. T'inquiète pas, qu'à mon avis, ils ont prévu plus d'un stack de bouffe, à mon avis. Ouais. Nous, on n'a pas eu le temps de se stuffer, mais putain, ils sont où? Vous me suivez là? Vous me suivez tous? Ouais. Au moins, il a arrêté de pleuvoir et c'est bientôt le jour. Putain, je sais pas où c'est qu'ils sont. Peut-être qu'ils tentent un giga cut, c'est qu'en fait. Ah, ils sont là. Ah putain. Ah bah, ils sont retournés au même endroit. Putain, ils vont entendre. On peut pas. Cachez-vous derrière des champignons et tout. Attends, mais il y a un gros alligator. Hein. Ouais, bah, viens, on s'éloigne. Viens, on s'éloigne. Je vais me mettre là derrière cet arbre. Mais là, ils ont l'avantage de hauteur, fais chier. Ouais. On peut pas diriger les alligators sur eux. En plus là, non, on est dans une zone marécageuse et tout avec de l'eau. On va essayer de trouver une zone un peu plus haute. Non, mais y a pas un alligator qui est énervé contre quelqu'un. Attends, mais là on se disperse un peu tous là, du coup. Bah, ouais. Les gars, venez ici. Ouh, mais il y a les alligators, ils cassent les couilles en vrai. Et là, moi je suis bien. Hein. Derrière le champignon là? Non, là derrière l'arbre. Dans l'arbre. Ah oui. Ouais, mais là à tout moment, ouais. Là, regarde, tu vois, t'as l'eau et tout, genre, c'est galère. Putain, c'est
putain, mais... ils ont la hauteur et tout. Ouais, ils ont la hauteur là, ils sont un peu avantagés. Putain, j'ai presque plus de bouffe. Putain, j'ai go et je peux plus courir. Et la moitié des gens de leur clan, je leur ai déjà demandé de la nourriture. Putain, quel clochard. Il y a un mec tout seul là-bas, on peut essayer de le rush. Bah non, dès qu'il va nous voir. Ouais, dès qu'il va nous voir arriver, il va. Ils ont attaqué les trucs. Putain, je il se fait assaut. Je suis en train de... Là, il y a toute leur team qui tombe dessus. Putain, ils arrivent. Là, faut qu'on... Attends. Je peux pas tous les attaquer en même temps. Les gars, ils sont middle, ils sont au milieu du combat. J'ai mal. Je peux plus courir. Là, c'est le bordel. Là, je suis mort. Je peux plus courir. Putain, fais chier. Ah, vas-y, ça me saoule. On était désavantagés. Putain, sur la on a perdu la hauteur parce qu'on a pris la confiance et qu'on a bougé. Oh, on a tué un. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'on a bordel. Pris... Je comprends plus qui est dans le team et qui ne l'est pas. J'ai des kills. Ah, je crois qu'on a perdu. Ouais. Attends, il est pas mort, Sillon, mais ça m'étonnerait qu'il fasse un 1v9. Voilà, putain, on a trop pris la confiance et on a bougé. Mais ouais. En vrai, ça, on aurait pas on aurait dû. Ouais. On aurait dû rester sur notre colline. Ouais. Bah, si. Après, non, en vrai, je suis d'accord que on pouvait pas éternellement faire le combat à distance. Mais ils auraient pas dû se séparer. Enfin, en 2v10, tu peux rien faire. Donc, dans tous les cas, faut rester groupé quand même, tu vois. Après, même en groupe, même groupé, genre, ça aurait été compliqué en vrai. Ouais, bah là, du coup. On peut dire qu'on a perdu. Ouais. Et Sillon, t'es mort du coup? Ah oui, t'es mort. Tu t'es fait niquer. Ah oui. J'ai réussi à tuer un gars. Quoi, puis après. Bon bah j'ai. Ouais, bah là, dans la Attends, il parle, Gyoto. Tu disais quoi? Je demande confirmation de l'éradication de votre équipage. Ouais, apparemment tout le monde est mort. Ouais. D'accord. Alors, quelle île vous allez contester maintenant? Bah, on sait pas encore du coup. T'as pu tenter de ton épée. Après... J'ai réussi à tuer un mec. Ouais. Allez, je me suis suicidé pour. Et en vrai, c'est la deuxième fois que tu tues un mec. Bien joué. dans la mêlée générale, les équipes comprenaient rien parce que moi j'étais. Genre, quand on s'est presque tous fait éradiquer, j'étais avec un autre mec de notre clan et genre, ils savaient pas qui tapait. Du coup, ils tapaient tout le monde. Ah ouais. Bah moi j'ai failli tuer Sauron, je crois, il était dans le mal, il courait et il s'échappait. Moi j'aurais pu essayer de m'échapper et de tempo à l'arc, mon problème c'est que pile au moment où ils viennent... pile au moment où ils viennent à la mêlée, j'ai plus de bouffe et je peux plus courir. Ouais mais genre j'en étais sûr qu'on n'aurait pas eu assez de bouffe de toute façon. Mais bon après... En vrai le territoire est galère pour ce fight parce qu'il y a l'eau et tout, il y a des moments de hauteur, il y a des moments de... Ouais. Le moment où... Le seul moment où on s'est battu à l'épée, c'est l'endroit où il y avait les alligators. Mais ouais, putain, j'ai pris cher par un alligator. Mais moi, j'ai vraiment cru que t'allais mourir. Ouais, bah non, en vrai, il me restait... En fait, c'est... l'alligator, il m'a juste enlevé ma barre des 6 levels, en fait. Mes 6 coeurs, en fait. Il m'a enlevé mes 6 coeurs, et quand j'ai vu qu'on me rushait, j'ai attaqué le mec qui me rushait, du coup. J'ai failli le tuer, d'ailleurs, il s'est barré. Et après, on m'a rushé de ouf et vous êtes venu, vous m'avez un peu sauvé. Et après, c'est parti en fight général. Bah en fait, non, moi, j'étais venu avec... Rush par tout le monde. En fait, au début, j'étais venu là où t'étais avec les alligators pour essayer de venir t'aider avec les alligators. Et puis là, il y a les mecs, les carassous, ils sont arrivés entre toi et moi. Et du coup, bah moi, j'étais mort vu que j'étais tout seul. Ah oui, ouais, je vois. Mais putain, les alligators, c'est casse-couille. Genre, vraiment, moi, je l'ai... En vrai, les alligators, je me suis dit... À chaque fois, je vous disais, mais les gars, c'est bon, vous passez à côté, ça passe, et ils aggro pas de très loin. Et puis là, je me fais karma d'un coup, je me prends un alligator. En fait, c'est même pas pour ça. L'alligator s'est pris une flèche, et du coup, il s'est énervé, et il a attaqué le joueur le plus proche. Ah bon ? C'est pour ça, ouais, je me disais bien que l'alligator, Oui, il avait pris une flèche, en fait. Ah ouais. À mon avis, il devait savoir que quand t'attaques un. C'est pour ça qu'il s'est énervé. Ah, c'est possible, ouais, mais pourtant, sur mon écran, j'avais l'air assez loin quand même de lui, donc... Ouais, j'ai vu, il s'est pris une flèche et d'un coup, les dents commençaient à trocher la gueule. En vrai, c'est de là que tout est parti et que ça a rush de ouf. Bah, ils avaient compris qu'ils avaient l'avantage. Ouais. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, et oui,
on a perdu la bataille. On manquait un peu d'organisation quand même. Il y en a deux qui se sont séparés, du coup bah ça nous a désavantagés. Moi j'ai été attaqué par un alligator, j'ai pas fait attention, j'aurais dû mieux regarder. Et du coup dès qu'ils m'ont vu me faire attaquer, bah ils ont rushé. Et c'était bien joué de leur part, franchement bien joué à vous les Karazou. Je regrette pas, en vrai on s'est bien amusé, c'était cool. Même si quand même les territoires sont grave avantageux, donc du coup ça me fait un peu chier. Mais bon, en vrai, on va essayer de concéder un autre territoire bientôt. On va voir. On va essayer d'être plus nombreux la prochaine fois, parce que normalement, on devait être 13, là, on n'était que 9. Il y en a qui ont dit qu'ils venaient, mais qui sont pas venus. Du coup, c'est un peu dérangeant. Et on va essayer de s'entraîner et d'un peu mieux s'organiser. Donc, voilà. En tout cas, si le serveur vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre. Et puis, bah, si vous voulez faire un RP de Minx Félin, que vous avez 14 ans minimum, et puis que voilà, vous êtes intéressé par mon équipage, bah, n'hésitez pas, nous on recrute, on essaye d'avoir un bon nombre quand même dans l'équipage, là on commence à être assez nombreux. Donc voilà, j'espère que la vidéo quand même vous aura plu, malgré qu'on ait perdu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, moi je vous dis ciao tout le monde.